Bonjour, nous sommes le dimanche 17 avril et il est même pas 10 heures et nous sommes entre deux sessions du cinquième colloque de l'année 2015-2016 consacré à la réforme de l'astrologie. Et hier j'ai passé une soirée avec Roger Ecquet qui peut être considéré comme un réformateur de l'astrologie à sa façon. Et je voudrais donner mon avis sur ces propos, autant plus qu'il va revenir à midi et que nous allons poursuivre la discussion avec d'autres personnes. Et je crois que c'est toujours important de... Vous savez, 100 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. C'est toujours important de faire l'effort, de repenser, de réfléchir, même si c'est un temps intermédiaire. Je connais Roger Ecquet depuis longtemps, je connais ses idées, ses thèses, ses pratiques, depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, hein, 2006 probablement. Sa réforme de l'astrologie, elle est fondée déjà sur une insatisfaction. Sur une insatisfaction en tant que praticien. C'est-à-dire que l'astrologie ne donnerait pas les résultats que l'on s'imaginait qu'elle devrait donner. On est là dans un processus de transfert intéressant. Ecquet a une certaine idée, une haute idée de l'astrologie, qu'il s'est forgée ainsi. Voilà, il s'est imaginé que l'astrologie devait être ceci ou cela, ou rien. Il s'est demandé comment monter, élever l'astrologie au niveau de précision qu'il en attendait. Ma démarche est totalement différente. Ma démarche, c'est déjà de définir ce qu'est l'astrologie et de définir ce que cette astrologie peut apporter. Et où c'est à fait autre chose. Une démarche ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est l'astrologie? Et c'est une question que je me suis posée. Donc je n'ai pas posé d'emblée, d'entrée de jeu. Je ne me suis jamais demandé en vérité à quel degré de précision l'astrologie devait arriver. Je me suis simplement demandé dans quelles conditions l'astrologie pouvait-elle fonctionner. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pouvait apporter. Même si ce qu'elle pouvait apporter pouvait sembler limité. Car je préfère un apport limité, mais reconnu, à un apport beaucoup plus ambitieux, mais contesté. Contesté parce que justement, pour arriver à cet objectif exorbitant, si l'on peut dire, c'est le cas de dire, il faut combiner, il faut mélanger, il faut articuler un très grand nombre de facteurs. Et finalement, seul l'astrologue ou le système qu'il a élaboré, parce qu'on peut très bien, je l'ai bien compris, élaborer des logiciels qui gèrent cette complexité. Pas besoin d'une personne pour gérer la complexité. Au contraire, je dirais d'une certaine manière, que plus c'est complexe, plus on se retrouve à faire appel à la machine, à l'informatique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il reconnaît. Il reconnaît que son système ne marche que par l'informatique. Ne peut être mis en œuvre que par l'informatique. Pour moi, c'est tout à fait aberrant, parce que, pour moi, l'astrologie est une très ancienne pratique, très ancienne connaissance, et qu'il n'est pas question de la mettre sur le compte d'une quelconque informatique. Cela dit, ça ne veut pas dire que je n'attache pas d'importance à ce que j'appelle la subconscience. C'est-à-dire qu'il est possible que notre perception des choses se fasse, non pas par l'informatique, mais par notre cerveau, par la captation d'informations de notre cerveau, ce qui n'est pas rien déjà. Donc effectivement, mais ça c'est au niveau
de l'astrologie en tant que phénomène. Mais là, nous parlons du savoir sur cette astrologie. C'est de la méta-astrologie. L'astrologie aujourd'hui ne peut être qu'une méta-astrologie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fonder son objet, elle va l'étudier. Le temps de la fondation de l'objet astrologique appartient à un passé très ancien. Et c'est ce que j'appelle la subconscience. Une partie de la subconscience, une petite partie. En revanche, la méta-astrologie, c'est la volonté de discourir sur l'astrologie. C'est le logos sur l'astrologie. Et le débat est là, en fin de compte, le débat il est là, sur la méta-astrologie. Et la méta-astrologie, cela signifie d'essayer de comprendre ce qu'est l'astrologie, ce pourquoi elle a été établie, par qui elle a été établie et comment elle a perduré jusqu'à nos jours. Comment elle a perduré, non pas en tant que méta-astrologie, mais en tant qu'astrologie, c'est-à-dire en tant que phénomène existant par-delà la méta-astrologie. Parce que la méta-astrologie, elle ne crée pas l'objet, elle l'étudie. Donc l'objet, il existe par lui-même. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose. Bon, nous sommes tous dans l'astrologie, mais nous ne sommes pas dans la méta-astrologie. Et parmi les méta-astrologues, parce qu'en fin de compte, c'est comme ça qu'il faudrait nous désigner, nous sommes des méta-astrologues, nous ne pouvons pas être des astrologues, parce que les astrologues, ce sont ceux qui ont établi l'astrologie. Et nous ne sommes que des méta-astrologues, des gens qui essayent de réfléchir sur ce que c'est que cette astrologie qui a été ainsi instaurée il y a des milliers et des milliers d'années. Donc, moi, ce qui m'intéresse n'est pas de projeter sur l'astrologie mes fantasmes d'une science, d'une hyperscience. Et comme le reconnaissait Roger Ecker hier, quand je l'ai interrogé à ce sujet, l'astrologie, c'est l'avancée de la science dure dans le champ des sciences humaines, ou du moins dans le champ de ce qui est généralement attribué et réservé aux sciences humaines. Parce que lui me dit, ce n'est pas une science humaine. Je n'ai pas dit que c'était une science humaine. J'ai dit que c'était une avancée vers le domaine des sciences humaines pour leur enlever, en quelque sorte, une partie de leur champ d'action. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est l'imaginaire de Hecke. Une science qui émane de la nature, qui émane de l'astronomie, et qui va conquérir, en quelque sorte, le champ de l'humain, des sociétés humaines. Alors que pour moi, l'astrologie, elle naît carrément des sciences humaines, elle naît plutôt des sociétés humaines, et elle reprend, elle adopte, elle sélectionne au sein de la nature, au sein du cosmos, elle sélectionne ce dont elle a besoin pour se structurer. Puisque la grande question de l'humanité, c'est la structuration, c'est l'organisation de son propre champ de vie, d'existence. Donc, on a des approches totalement différentes, ce qui fait que moi, je repense totalement les fondements de l'astrologie, je n'accepte absolument pas que toutes les planètes, y compris les nouvelles planètes, surtout pas, fassent partie du champ de l'astrologie, ou du champ de la méta-astrologie. Pour moi, c'est de la méta-astrologie, mais pas de la bonne méta-astrologie. C'est une méta-astrologie qui va surcharger l'astrologie de tout un ensemble de choses dont on n'a absolument pas besoin et qui ne font pas partie de la subconscience, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la vraie astrologie. C'est de la méta-astrologie qui se rajoute, qui se superpose à l'astrologie. Et donc, je repense, comme fait Jean-Pierre Nicolas, mais à sa façon, ce qu'il faut garder du zodiaque, ce qu'il faut en dire, ce qu'il faut garder des maisons, ce qu'il faut garder des planètes. Alors que notre ami Ecker, par exemple, il nous tient dans son interview, que je vous invite vivement à écouter, qui dure quand même près de 2 heures, plus de 2 heures même, et il nous dit, il y a la maison 5, c'est ceci, c'est cela, etc. Et voilà, voilà comment ça fonctionne. En fin de compte, il prend l'astrologie, la méta-astrologie, pour l'astrologie. Et c'est ça qui, à mon avis, est l'erreur majeure. Alors qu'il faut nettoyer l'astrologie,
de tout ce qui a pu être projeté sur elle, rajouté sur elle, pour dégager une forme épurée et simple, très simple. Parce que finalement, il ne faut pas charger la barque. C'est-à-dire que l'esprit humain, notre fonctionnement subconscient, il n'est pas non plus censé gérer des choses extrêmement complexes. Il faut que ce soit des schémas simples, comme aujourd'hui, nous vivons dans des schémas simples. Dans les élections présidentielles, c'est un schéma qui est simple. Tous les 5 ans, voilà, toc, 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 toc. C'est simple. Ce n'est pas 36 choses à la fois qui se mélangent, etc. En tout cas en France, sous la 4e République. Donc, voyons les choses simplement. Alors peut-être qu'effectivement, là j'ai un présupposé méthodologique qui est celui de l'élégance, de la simplicité. Je suis un peu comme Occam, je suis pour une certaine parcimonie, une certaine économie de moyens, alors que notre ami Eke, lui, il est pour une sorte de foisonnement, il est fasciné par le foisonnement des facteurs qui se combinent, etc. Et c'est justement tout le problème, c'est que pour moi l'astrologie justement s'est construite contre ce foisonnement, contre le foisonnement du cosmos. Il est là le foisonnement du cosmos. Même il y a des milliers d'années, on voyait bien ce foisonnement, on voyait bien toutes ces étoiles, tous ces facteurs qui se combinaient, qui changeaient. Donc ce foisonnement, il est une donnée, mais c'est un foisonnement qui était justement problématique. Problématique parce que justement, il est de l'ordre du foisonnement. Et l'astrologie s'est construite contre ce foisonnement. Elle a voulu apprivoiser, elle a voulu dompter ce foisonnement, elle a voulu le structurer, elle n'en a gardé que la substantifique moelle, comme dirait Rabelais. C'est-à-dire qu'elle n'en a gardé que l'essentiel, pas l'essence, mais l'essentiel.